Vous êtes sur RTL. 7h45, merci d'écouter RTL. Elisabeth Martichou, vous recevez donc ce matin le député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière. Merci d'être avec nous ce matin, merci. Alexis Corbière, dans ce studio d'RTL. Un drame épouvantable s'est produit en Seine-Saint-Denis, vous êtes élu, c'est un, un enfant. Un enfant de un 12 enfant. ans tué violemment dans une bagarre entre bandes, un gamin, des armes rudimentaires, des motifs dérisoires, semble-t-il. Est-ce que on est face à un fait tout à fait exceptionnel, évidemment dramatique, ou un phénomène que, en tant qu'élu, vous avez identifié Non, d'abord, c'est exceptionnel. Même si la situation est préoccupante en Seine-Saint-Denis, mais un enfant de 12 ans qui meurt suite à des coups, c'est exceptionnel. Toutefois, ça arrive à Bagnolet, où je crois que vous m'aviez donné la parole il y a quelques mois aussi, déjà des coups de feu dans une autre cité avaient été tirés, parce que des bandes rivales, cette fois-ci, pour des questions de trafic de drogue, manifestement s'affrontaient, et ainsi de suite. On est dans un département et on a rencontré pour cela le Premier ministre le 26 septembre tous les parlementaires, avec des parlementaires pas seulement de l'Assemblée, on en avait insoumis, parlé, ouais, avait parlé mmh. suite à un rapport parlementaire qui disait que la seine saint est sous-dotée ce que nous demandons c'est pas plus de moyens pour l'instant mais qu'au moins qu'en termes des grandes missions régaliennes justice, police, éducation nationale nous ayons les mêmes moyens que les autres départements La réponse elle est où Est-ce qu'elle est ministère des... de l'Intérieur C'est Par... est un des éléments que les gens sachent que Bagnolet n'a pas de commissariat de plein exercice ça veut dire qu'à 18h, la petite antenne de police est fermée. Ça veut dire que le commissariat, il est situé au Lila et il couvre une zone de près de 800 hectares. Les policiers font ce qu'ils peuvent, il n'y a pas assez de moyens. J'ai écrit plusieurs fois, notamment à Gérard Collomb. C'est pour ça que j'avais trouvé quand même un peu cynique quand il s'en va en disant il y a des problèmes dans les quartiers. Je lui ai demandé des moyens supplémentaires. Il m'avait répondu par courrier qu'à Bagnolais, cela allait mieux grâce à la politique du gouvernement qu'il a déployée. Et vous avez fait des promesses, Edouard Philippe, quand vous l'aviez vu Edouard Philippe, il nous a dit il n'a pas contesté la situation que nous lui présentions. Il a dit je vais réfléchir depuis le 1er septembre ah ben là, maintenant, là je suis plus que dans la réflexion. Il y a une certaine colère au bout d'un moment. Et à 11h, on va travailler au, au, avec le préfet. Moi, vous vouloir. avez une, un rendez-vous à, à la préfecture Pas seulement moi, mais en termes de, avec les, les, les maires, avec les différents services de l'État. Il faut qu'on ait des moyens. Alors, il y a la moyenne de la police. Mais la question, c'est quand, quand il s'agit de jeunes de 12 Attends, ans... Mettre un policier, je voudrais juste vous poser parce que c'est important de savoir quelle est la réponse appropriée. C'est ça hein, qui est intéressant. Alors, mettre un policier derrière chaque gamin, un, vous un, savez qui disait ça tout à l'heure, ce n'est pas la solution. C'est un membre de la police et du syndicat Alliance qui disait... Sur RTL. Ça n'est pas la solution. Et il a raison, il a raison, il a raison. Mais vous, on... savez, vous savez quelle est sa réponse à lui Vous l'avez deviné Non, non c'est quoi C'est euh, la réponse pénale. Pour lui, le problème, c'est là. Et lui, il réclame un durcissement des peines pour les mineurs. Ce n'est pas nouveau. Mais avant de dire de 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 durcissement, est-ce que tout le monde sait que le tribunal de Bobigny est totalement saturé Il saturé. Euh, y a des tas d'exemples qui font que, pour le quotidien, bah on en parlait au Premier ministre, la on l'a dit. C'est la loi. Mais, aussi. Non, mais attendez, la justice, c'est avant lui. de durcir, au moins que la justice soit rendue. C'est-à-dire qu'on prenait cet exemple au Premier ministre pour divorcer en, en, à Bobigny, vous mettez 18 mois, à Paris, vous mettez 6 mois. Pourquoi est je parle Mais pas parce que, par exemple, quand vous avez des problèmes de violence conjugale, Conjugal, de femmes qui ont le courage de quitter leur domicile conjugal qui se tournent vers des élus vous n'avez même pas la décision pour pouvoir les reloger je prends mmh. cet exemple pour prendre il y a des tas de petites décisions avant de parler de durcissement est-ce qu'au moins on peut travailler normalement est-ce que les juges peuvent travailler normalement ils ne le peuvent pas Donc mais moi pour vous, je dis attendez, la réponse c'est pas, pas seulement Ma... ça voilà c'est un, un tout c'est ce que disent les policiers c'est aussi est ce un tout dit souvent mais, le mais je discute avec des policiers il faut aussi des moyens de prévention sur le terrain des éducateurs de quartier un centre de quartier qui soit ouvert plus d'éducateurs évidemment mais il y en a mais non non dans ce quartier il y en a particulièrement pas évidemment vous avez des villes, on est une ville surendettée, vous avez une baisse en raison des politiques de l'État de moins de 13 milliards dans les dotations qui sont données aux communes. Ça a des conséquences sur le terrain, très concrètement. Donc c'est un tout, quand on parle de jeunes de 12 ans, on comprendra bien, après il y a une culture de la violence qu'il faut combattre, évidemment, c'est un tout. Il faut une réponse sportive. Est-ce que vous savez sportive. que... Oui, par exemple. Est-ce que vous savez que, par exemple, les baisses, notamment dans le budget qui va être présenté, il y aura moins de moyens dans le budget notamment. Vous parlez des sports. du budget de l'État. Ben oui, 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 moins 1600 personnels de l'État. Et de ça, note... ça contribue à votre Voilà. Au fur et à mesure, quand le seul lien que vous avez sur le quartier, c'est des associations, c'est pour ça que je parle sportives, qui font bon boulot, parce qu'il y a des bénévoles et tout, mais qu'il y a moins de moyens, que vous avez moins d'emplois aidés, parce qu'ils ont été supprimés, ou ils ont été fortement à la baisse. Alors que eux, ils permettaient, ils coûtaient beaucoup moins cher que les emplois qui sont soi-disant créés par le CICE. Vous parlez d'indifférence du tout. gouvernement par oui, rapport oui. à ça. Bah, Donc, dans une lettre que vous avez écrite hier soir, ouais. indifférence. Oui, parce quoi. que je le répète, parce que quand vous avez un rapport parlementaire qui dit attention, ça suffit. Quand bah, depuis quelque temps, j'écris au ministre de l'Intérieur en leur disant ⁇ Attention, là, on n'a pas assez de moyens ⁇ Et que chaque fois, on me répond, soit comme l'avait fait Gérard Collomb, euh, « Non, à Bagnolet, ça va mieux ⁇ soit comme dit le Premier ministre depuis le 26 septembre, ça fait 15 jours, je vais réfléchir, qu'on n'a même pas un calendrier qui nous est proposé, ou non, non, même si les mots sont forts, je suis en colère, parce que je pense à cette mmh. famille aussi, c'est un gamin de quatrième. Hein. Ça veut dire que ce matin, il y aura une, une chaise en vide. 4e ah bah oui, ça fait euh, mal quand même. 12 ans. Ouais, ouais, 12-13 ans. Donc c'est une famille. Après, vous comprenez, je le dis avec mention. Euh, on peut pas se dire là, il se passe rien. Même si après, euh, il faut préciser les choses. Hein. On va voir, la justice doit avoir lieu, parce que moi j'ai des versions un peu différentes, qu'est-ce qui a vraiment eu lieu. Mais... Euh... Pourquoi qu'est-ce que vous avez comme version Non non mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment Vous dites il y a des bandes, à quelle bande c'est possible qu'il soit pas c'est soit pas une bande de bagnolets que soit les rejoindre d'autres gamins des lilas qui sont affrontés à ce drame vie J'en sais rien. De toute manière, y compris la son état de santé quand il est hospitalisé ouais. fait encore discussion, mais qu'importe Je veux dire le drame est là, je pense aux familles et il faut que tranquillement mais fermement, il y ait un changement des moyens qui soient mis. Bon sang, un gamin de 12-13 que... ans. Et c'est pour ça, je le dis, moi, je ne veux pas que la Seine-Saint-Denis -Sain soit caricaturée. C'est quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est pas vrai que ça arrive fréquemment. On ne peut pas non plus dire là-bas, il y a une que bande vous demandez de. Edouard Philippe. Voilà, donc, euh, voilà, qui je, ministre je lui dis, bon sang, eh oh. Il est ministre de l'Intérieur par intérim. Oui. Vous lui dites, euh, on <laughs> vous attend aujourd'hui, venez nous voir. Bah ou oui, je lui... <laughs> je lui avais écrit d'ailleurs le 26 septembre. Je lui ai bah, oui, mais j'aimerais Madame non, je suis d'accord. Je lui remets une lettre le 26 septembre qui termine en disant, monsieur le Premier ministre, venez sur place, même je sais bien que ça ne réglera pas le problème, mais au moins, venez avec les caméras, venez avec la presse, venez dire voilà ce qui se passe ici concrètement. Mmh, mmh. C'est pas que de la police qu'on veut. Vous savez, moi, je me suis battu dans notre quartier, c'est le problème d'ascenseur. C'est un tout quand vous avez des, 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 des ascenseurs bloqués de 18 étages avec des personnes âgées ou des handicapés, des enfants handicapés qui ne peuvent plus descendre. Il y a un ras-le-bol qui monte en a l'impression, mais pourquoi on est à ce point-là méprisé, la Sainte-Saint-Denis voilà. Euh, on verra comment Allez. vous répond Edouard Philippe euh, tout à l'heure. Il y a une réunion donc, à 11h30 à la préfecture. À euh, je voudrais revenir, euh, Alexis Cambière, euh, sur euh, le coup de gueule impressionnant. impressionnant de François Ruffin, votre collègue de France Insoumise à l'Assemblée. Une sainte colère, comme on disait. Euh, une colère contre euh, les députés de la République en marche qui ont refusé de voter euh, en faveur d'une proposition de loi euh, de la droite euh, qui euh, était en faveur du... Handicap, il accuse le gouvernement de ne rien faire. Alors, renseignement pris, moi je n'ai pas trouvé une association, une seule association de lutte en faveur du, du handicap, enfin, mmh. en faveur d'un petit euh, handicap, euh, qui est favorable à cette proposition de loi. Donc, ça pose une question, est-ce que c'est un coup de gueule au service de France Insoumise ou du handicap, cette affaire Non, mais du handicap, que les choses soient claires. Ce... Qui a eu lieu, c'est le fait qu'il y a eu une motion de rejet préalable qui a été votée par. Non, mais c'est important, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas voulu en débattre et améliorer Trois cette Trois heures loi. et 30 en commission, il y a eu. Non, en, mais... en commission pré. Vous savez, Madame Martichoux, ce qui non mais je veux pas être trop technique. La discussion en hémicycle. Moi non même... mais c'est important. Ça veut dire que dans l'hémicycle, on a formellement des journées qui sont consacrées à ce que les groupes minoritaires puissent présenter des projets de un loi. Donc c'était un problème de, de discussion. Mais c'est qu'on ne peut même pas, pas en discuter. Mais c'est un problème de fond. Ça a été discuté trois heures et demie en commission. Disent les députés à un public en main. Avec quelle réponse Avec circuler. Il y a rien à voir. On discutera pas de votre textes. On l'améliorera pas. C'est tout. Et que ça devient insupportable. Parce que si le texte LR n'est pas bon, on pouvait en discuter et même les députés en marche qui ont tant d'idées merveilleuses, ils pouvaient l'améliorer. Pourquoi ils ne veulent même pas en discuter C'est pour ça que François Ruffin pousse un coup de gueule. Pourquoi ils ne veulent même pas en débattre Pour quelles raisons Tout de même, on parle du fait que ce qu'on demandait, c'est qu'il y ait un statut un peu consolidé Alors, disent, des gens qui accompagnent aujourd'hui les enfants handicapés. Eux disent qu'il y a eu trois heures de débat dans l'hémicycle, trois heures et demie en commission, mais euh, est-ce que c'est bon pour le débat public Non mais eux disent, les faits sont où Est-ce est que ce texte de loi a été rejeté et n'a même pas été débattu est-ce que les députés en été, marche. il a été discuté. Pourquoi ils n'ont pas -ce amélioré que... Non, Écoutez, mais attendez, ils sont majoritaires. Pour les pas grand... Un... ah non, c'est pas très intéressant. De... Moi, je vous demande. Ah, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont majoritaires en marche. Public, oui. non, oui. pour le débat public. Non, oui. c'est intéressant. Le débat public, est-ce que c'est oui. bon, cette oui. utilisation de l'émotion oui. Est-ce que c'est ah, ça, c ça faire de la politique C'est pas l'utilisation de l'émotion. C'est dire que, comme le dit François Ruffin, ces députés Playmobil qui sont là pour venir nous faire perdre du temps, c'est-à-dire que quand on veut discuter, de lever la main en disant non parce que c'est pas un texte qui vient du gouvernement, ça commence à devenir insupportable sur tous Donc les vous sujets. revendiquer totalement ce qu'elle fait. En ah mais ben c'est fantastique, en fait. parce que, fantastique. que ça permet. Ben oui, c'est encourage de venir mmh. dire et que tout le monde voit ce qui se passe dans l'hémicycle. Écoutez, les députés, ils parlent au nom du peuple. À vous de juger. Allez voir. Moi, c'est pour ça que ce qui est formidable aujourd'hui, c'est que notamment avec la vidéo, on peut voir les débats parlementaires. Vous pouvez assister à ça. Si vous n'aimez pas Ruffin, mmh. vous aimez pas Corbière, vous avez le droit. Mais mêlez-vous de ce qui se discute à l'Assemblée nationale. Et là, notamment quand il y a un texte qui est rejeté par la majorité. Il ne si veut il est même mauvais. pas débattre. Si Mais il est améliorable. Ils sont là pour ça. Ouais. Ils sont majoritaires pour Alors, ça. Emmanuel Morel quitte le Parti Pardon. socialiste. Alexis Corbière avec Marie-Noëlle Lindemann. C'est une victoire de France Insoumise sur le Parti socialiste Non, c'est une scission d'abord, un courant historique du Parti socialiste sonnel gauche. Qui s'en bat. C'est une grosse prise pour vous Est-ce que vous êtes bah, en train moi... d'achever le Parti Socialiste ça, Moi, c'est François Hollande qui a achevé le Parti Socialiste. Ce qu'il y a de bien, c'est que tout ça ne s'évapore pas, ne s'émiette pas dans quelque chose qui ne donnera rien, mais se regroupe, notamment autour de la France Insoumise. Après, Marie-Noëlle Lehmann, si vous la connaissez, est une femme de caractère, Emmanuel Morel aussi. Franchement, ils, ils ont leur propre euh, comment euh, comment mouvement, et il sait bien qu'ils viennent nous renforcer avec leur spécificité. Et il sera sur la liste des européennes France Insoumise, Emmanuel bah, Morel Jean-Luc Mélenchon, hier, ce Européen-là, pratiquement. Euh, oui, il y aurait euh, une. Il y ça aurait une fait. logique s'il souhaite ouais. l'être. Nous, ouais. en plus, on avait fait une liste, on avait laissé des places, qu'il soit là. Il apportera. C'est d'abord un choix de cohérence, parce que sur le fond, on est d'accord. L'idée, c'est de construire un programme commun. Oui. C'est ça, une unité de la gauche, le rêve mythérique. On ne on pose, pose pas la question comme ça. Il faut d'abord regrouper des forces qui sont extrêmement éclatées, et notamment sur le fond. Mais alors, ni le PS Les... avec vous, ni Benoît Hamon, ni le PC. Pour, pourquoi vous dites ça Moi, j'en sais pas. rien. Moi, d'abord, je regroupe des choses cohérentes. Nous, on pense qu'en le cas des traités actuels européens, on ne peut pas mener une politique sociale. Voilà ce que nous disons. Des gens nous disent non, non, on peut garder ces traités, on peut changer les choses. C'est un désaccord de fond. Voilà. Il n'y aura pas de rafistolage sur la base de positions bricolées uniquement pour avoir des sièges. Et là-dessus, ça fait déjà avec Emmanuel Morel, Marie-Nuelle Linnan, mais beaucoup d'autres. Journalistes hein. avec des syndicalistes, avec des écologistes. Ben oui. hein, mais, mais euh, enfin, on va rediscuter avec ceux de bonne volonté qui... Là, on en a discuté, c'est nom pour laquelle ils font ce mouvement vers nous. Merci beaucoup. Merci. Alexis Corbière aujourd'hui, France, France Insoumise présente son contre-budget comme l'an dernier. Ce sera aussi une des actualités de ce, ce lundi. Bonne journée à vous. Merci. L'intégralité de cet entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.